l'unité. Est-ce que quelqu'un a entendu Dieu? Est-ce que Dieu a parlé vraiment à quelqu'un? Oui, c'est bien. Comme Dieu nous a parlé, c'est bien. C'est une bonne chose. Sans plus tarder, nous allons continuer. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète exaucé Guigui Lungu. Pour l'introduction, nous voyons qu'il vient de nous parler par rapport à l'unité sur la famille de Isaac. Et Rebecca. Comment Rebecca a reçu une révélation? Je ne sais pas s'il avait caché ou soit il avait partagé avec son mari. Et peut-être c'est le mari qui était distrait, peut-être, je ne sais pas. Et nous, on n'était pas là. On ne connaît pas ce qui s'est passé. Mais ce que moi, je sais dans notre état présent, quand une femme est enceinte, elle est partie voir. Il est parti à l'échographie. J'espère même que le mari soit là ou pas. Le soir, quand vous allez se voir à la maison, tu vas quand même apporter les contre-rendus de là où tu es parti voir les médecins. Qu'est-ce qui s'est passé, les médecins? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Donc tu dois donner des contre-rendus à ton mari. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Rebecca, ou c'est à cause de l'orgueil des femmes, ou je ne sais pas, parce que il est parti consulter Dieu. Je ne sais pas s'il a gardé la prophétie pour elle, parce que pour se faire voir que c'est à elle que Dieu le parle, je ne sais pas. Nous, les femmes, on a beaucoup de failles. Hein? Nous, les femmes, vraiment, on a beaucoup de failles. Moi, j'ai béni Dieu par rapport à cette parole, parce que je ne sais pas la position laquelle que Isaac avait. Je ne sais pas s'il avait des sentiments, ou soit comme tout autre parent, s'il a son premier fils, il a toujours tendance d'aimer. Non, c'est ma première expérience, et c'est mon fils, il est né, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, ou soit Rebecca, il n'a pas partagé la révélation avec lui. Mais aujourd'hui, nous allons continuer encore par rapport à ce que Dieu a réservé encore aujourd'hui pour nous. J'aimerais que le prophète puisse m'aider par rapport à... on va lire sur Genèse 2, verset 18, j'espère. Oui, Genèse 2, verset 18, là où Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Oui, tu peux continuer encore jusqu'en bas, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est bon? Oui, on s'arrête là, merci. Alléluia! Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Oui, j'aimerais... Pour la bonne compréhension, les gens qui aiment corriger les gens, oh non, pourquoi là où il a mis elle, il fallait qu'il puisse la mettre là. Je vous signale que je ne suis pas français, je ne suis pas ni les professeurs qui donnent les cours de français. Alléluia. Moi je parle, si tu as des choses à corriger, c'est ton problème, tu complètes là à la place de l'est. Ce n'est pas mon problème, moi je parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, et nous là nous allons décoller. Oui, bien aimé, quand on parle, l'homme de Dieu il vient de parler ici par rapport à l'unité.
Il nous a parlé, nous tous on a compris ce que qu'est-ce qui signifie l'unité. S'il n'y a pas d'unité, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et moi, sans plus tarder, bien aimé, on ne parlera jamais de la femme et l'homme sans que nous puissions revenir sur le commencement. Sans que nous puissions revenir au commencement, les êtres humains que Dieu les a créés en premier. Bien aimé, Dieu a créé Adam et Ève. Dieu, dans sa trinité, dans sa divinité, il a regardé l'homme, il a dit que non. Pour que cette personne soit complète, qu'est-ce que je dois faire? Je le ferai une aide semblable. Bien-aimé, aide là, c'est quoi? C'est toi qui as la femme. C'est toi, femme, qu'on est en train de parler de l'aide. Bien-aimé, nous les femmes, nous jouons une grande rôle dans la vie de nos maris. Bien-aimé, nous allons voir que Dieu, quand il a créé la femme, quand il a, après avoir compris les désirs et les manques qu'il fallait qu'il puisse mettre la vie de l'homme équilibrée, et Dieu a trouvé bon de le mettre une aide à côté de lui. Amen. Et Dieu, il a fait fille tomber un profond sommeil à l'homme et puis il a retiré la manière que l'homme de Dieu vient de lire, il a retiré une de ses côtes et il a formé la femme. Et après avoir formé la femme, bien-aimée, Dieu, il était resté seul avec la femme. Et à ce moment-là que l'homme, il était dans son profond sommeil. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a commencé à dialoguer avec la femme. Dieu a commencé à parler avec la femme. Il a commencé à lui dire, tu vois que cet homme, ce que toi tu diras, quand il voudra faire peut-être une bêtise, toi tu es là pour le récupérer. Bien-aimé, ça fait comme si Dieu a mis encore la confiance à la femme. Mais à la fin des comptes, malgré les deux, ils ont trahi Dieu. À la fin des comptes, les deux, ils ont trahi Dieu. Mais quand Dieu a mis Ève à côté d'Adam, quand il a mis Ève à côté d'Adam, pour que Ève, qu'il soit une aide par rapport à son mari, je me suis posé la question, avec tout ce que Dieu l'a enseigné à la femme, avec toutes des révélations ou des enseignements que Dieu a donné à la femme. Quand l'ennemi, qui est Satan, quand il est venu descendre dans le jardin, je me suis posé la question. Au moment où que le diable a commencé à collaborer avec la femme pour venir le détruire, l'homme il était où? Qu'est-ce que l'homme il était en train de faire pour qu'on arrive au point de commencer à travailler pour détruire leur vie? Bien-aimé, tu peux te poser les questions toi aussi par rapport à ton couple. Je peux te poser cette question cet après-midi. Tu condamnes ton mari, tu condamnes ta femme. Au moment où que le diable est entré dans votre couple pour vous détruire, vous l'aidez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand le diable est entré dans les jardins, a commencé à dialoguer avec Ève, Adam, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas vraiment, parce que le travail que le diable a fait avec Ève, ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois, ni trois fois. Il venait les temps en temps dans les jardins. Il venait les temps en temps. Jusqu'à ce qu'il a, pris, il a compris que oui, ma semence a pris place. Bien-aimé, est-ce que Adam n'avait pas remarqué quelque chose au travers de la manière qu'il connaissait sa femme? Parce que la personne qu'il connaissait, Ève, plus que personne comme Adam, il a dit, preuve année que quand on l'a amené, c'est lui qui a commencé à faire les éloges. Voici cette fois-ci, l'os de ma l'os, la chair de ma chair. C'était pas Dieu. Et c'était pas non plus Dieu qui a donné le nom de Ève à Ève. Donc il a des compréhensions, il a des choses qu'il peut comprendre dans la vie de sa femme plus que personne. Le diable a commencé à détruire la femme, a commencé à la porter la sémence pour le détruire. Bien aimé, ça peut nous arriver, nous tous d'une manière ou d'une autre, comme je viens de parler tout à l'heure là. Où est-ce que tu étais quand le diable a commencé à vous détruire? Tu faisais quoi? Qui était ta position? Bien aimé, je suis en train de parler par rapport
L'homme de Dieu tout à l'heure vient de parler sur l'unité. Mais moi je suis en train de parler par rapport au dialogue. Bien aimé, parmi eux il manquait le dialogue. Parce que s'il y avait le dialogue, même quand Satan il a apparu dans le jardin d'Eden pour toucher Ève, normalement, la personne qui avait les gérances des jardins, c'était Adam. La personne qu'on avait donné des recommandations de ne pas toucher à ça, de ne pas toucher à ça, de ne pas toucher à ça, c'était qui? C'était lui, Adam. Mais à combien de plus fortes raisons, bien aimé, réfléchissons ensemble. Tu peux m'amener quelque chose, tandis que quand on m'a donné les contrôles de cette chose, toi tu n'étais pas là. Combattu à toi, tu peux venir me montrer le contraire de ce que mon maître m'a dit de ne pas toucher. Toi, tu me dis, mange. Il pouvait s'interposer. Écoute, ma femme, quand on m'a donné le contrôle des jardins, toi, tu n'étais pas là. Moi, on m'a dit telle chose. Je ne sais pas si Adam avait pris le temps de dialoguer avec Ève. Parce que s'il avait pris le temps de dialoguer avec Ève, peut-être ces choses-là, même les diables ne pouvaient même pas venir s'approcher du jardin. Il ne pouvait pas peut-être s'approcher du jardin. Mais il est venu parce que le diable avait ciblé, qu'il avait une manque de dialogue en milieu d'eux. Bien-aimés, nous voyons dans la vie des couples, de nous tous bien-aimés, je peux mentionner comme donner l'exemple. Je ne sais pas si à cette époque-là, comme la chose qui est en train de détruire le couple de plusieurs personnes. Bien aimé, je ne sais pas la distraction que Adam avait, s'il était en train de faire quoi, je ne sais pas. Quand le diable commençait à détruire, il commençait à venir dialoguer avec sa femme. Mais je me suis posé la question, si Adam, il était au moment où aujourd'hui, nous avons des wifi, nous avons des internets sur les portables, ça pouvait être comment? Parce qu'aujourd'hui, les internets sur les portables sont en train de détruire les couples de plusieurs personnes. Bien aimé, les technologies, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais tu dois faire attention à la manière que toi tu l'utilises. Aujourd'hui, les Facebook, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Oh, si c'est des WhatsApp, si c'est comment, des Viber, des Imo. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est bien. Mais ça dépend de la manière que toi tu l'utilises. Amen. Ça dépend de la manière que toi tu l'utilises. Aujourd'hui, mari et femme manquent d'unité. Chacun a son code à lui. Chacun a ses mots de passe. Personne ne connaît les mots de passe de personne. Amen. Et vous cherchez le diable. Pourquoi pas le diable ne puisse pas venir vers vous? Pourquoi pas les diables ne puissent pas venir vers vous? Parce que vous-même, vous êtes pas unis. Vous-même, vous n'êtes pas unis. Il n'y a pas de dialogue entre vous. Et qu'est-ce que les diables va faire? Il va se mettre au milieu de vous. Il va se mettre au milieu de vous. Et vous allez voir que l'Internet, les portables, là, en train de détruire la vie de plusieurs personnes et détruire même des couples. On peut, avant, quand vous avez commencé votre couple, vous avez commencé votre mariage, c'était bien. Mais vous allez voir, il y a d'autres parfois, les maris partent au lito. La femme reste sur Internet. Il reste sur Facebook parce que tout se passe maintenant. Si comme on a mis les portables, on a mis l'Internet maintenant, si les téléphones portables, oh, c'est fini. C'est fini. Vous allez voir même. Au moment où, quand les gens grandissaient, on était ensemble dans la famille, comme ça, des gens sur une table en train de manger. Après avoir mangé, chacun, il va commencer à donner son rapport. Moi, à l'école, papa, tu sais, moi, à l'école, mon professeur, il m'a dit ceci. Papa, à l'école, on a envie que tu puisses passer là-bas. Maman, moi, j'ai besoin de telle chose, telle chose. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces choses ne se font plus. Ces choses-là ne se font plus. Les gens commencent à se parler à part ça. Et maman, tu sais, avec son téléphone à la main, maman, tu sais, moi, il faut que tu me donnes 200 euros. Hein, parce que moi, je dois amener. Donc, il n'y a plus le dialogue. Entre maman et l'enfant, il n'y a plus de dialogue entre mari et femme. Parce que tout le monde est connecté. Nous sommes au temps où le monde est en train d'évoluer. Moi aussi, je dois être comme un tel. Moi aussi, il y a même d'autres personnes. Ils mettent des troubles dans les foyers parce qu'il faut qu'on achète des téléphones qui viennent de sortir.
Ouvre-nous ça. Voilà. Il n'y a plus de dialogue. Et comment les diables ne puissent pas venir s'approcher de nous? Comment les diables ne puissent pas venir s'approcher de nous? Les diables, donc, les temps de dialogue, il n'y en a pas. Tout le monde fait sa vie. Le papa, il fait sa vie à lui. Et la maman, il fait sa vie à lui. Et les enfants aussi, ils font leur vie. Les gens, donc, même si tu es une petite détail comme ça, mais il y a des gens qui commencent à devenir avec une longue cou. Parce que tout le monde, même dans la rue, les personnes sont comme ça. Bien aimé, on va te tuer pour rien. Même en volant. Donc les téléphones, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais c'est en train de détruire et c'est en train de briser des règles principales. Il n'y a plus le temps que les gens peuvent dialoguer. Manque de dialogue, ça a mené en fait que les diables puissent entrer au milieu de Adam et Ève. Au moment où que Adam, s'il était distrait, s'il était en train de dialoguer avec des animaux, ou soit il était en train de parler avec des poissons dans la mer, je ne sais pas. Parce que si tu te sens seul, tu es capable de faire tout et n'importe quoi. Nous les femmes, on aime parfois les tensions afin que ton mari puisse fixer les attentions à toi. Peut-être manque de la vision, comme on nous a parlé ici, manque de la vision, de la compréhension des mariages que Adam n'avait pas. Peut-être elle en avait parce que Dieu l'a enseigné, mais elle a oublié. Il a oublié. Manque de vision. De comprendre, de faire la séparation. Malgré que je suis le berger du jardin, je dois faire de la séparation. Il y a un moment, je dois travailler dans le jardin, mais il y a un moment, Dieu m'a donné une femme, je dois avoir le temps pour lui. Manque de vision nous amène à briser beaucoup de choses. Bien aimé, tu te maries, oui, c'est bien. Le mariage, c'est quelque chose de très merveilleux. Mais si je te conseillerais, le mariage, ce n'est pas l'affaire des enfants. Amen. Si tu as encore besoin de s'amuser, reste chez tes parents. Amen. Parce que le mariage, ce n'est pas les affaires des enfants. Bien aimé, tu peux te marier, tu étais tout belle. Mais si tu t'es trompé dans le mariage, après quelques jours, tu vas devenir vieille. Amen. Parce que tu n'avais pas la vision de la chose. Bien-aimés, vous savez que quand Dieu nous envoie dans des mariages, il nous donne aussi une mission. Bien-aimés, Ève, Dieu l'a donné la mission auprès d'Adam. De veiller sur Adam. De contrôler tout ce qu'il fait. Ève aussi, est-ce qu'il a contrôlé son mari en exagération? C'est pour cela que son mari, il a plus calculé. Ou soit il faisait des choses, ou soit c'est Adam qui était têtu. Ou soit c'est Adam qui était têtu. Et Ève s'est fatiguée de donner des reproches ou de donner des conseils. Ou soit c'est Ève qui saoulait Adam. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour que le diable puisse venir détruire la femme. Certainement, il y avait une réalité qui était là. Il y avait un manque de compréhension de la vision. D'abord, pour comprendre pourquoi on est ensemble. Pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Pourquoi Dieu nous a mis afin que nous puissions être unis. Bien-aimés, dans les jours d'aujourd'hui, les gens, ils se marient plus pour être unis. Les gens, ils se marient plus pour la vision, laquelle que Dieu, il peut te donner. Mais les gens, ils visent des choses. La personne, il connaît l'heure laquelle qui va entrer dans le mariage. Et il connaît l'heure laquelle qui doit sortir. Et quand il doit sortir, il sortira pas la main vide. Il sortira avec quelque chose. Tu es venu, mais main vide. Mais tu cherches à sortir avec quelque chose. Parce que, en réalité, cette personne-là, toi, tu ne l'as pas aimée. Parce que tu visais quelque chose. Alléluia. Tu visais quelque chose. Or, que dans les mariages, on a des missions d'une manière ou d'une autre, que soit la femme, que soit l'homme, à accomplir auprès de ta femme, auprès de ton mari et auprès, peut-être, de la famille.
Bien-aimé, moi aujourd'hui comme je suis là, et au travers du prophète, on s'est mis ensemble, on s'est mariés, et aujourd'hui, Dieu il savait pourquoi on devait se marier. Et au travers de moi, lui il est entré dans ma famille, moi je suis entré dans sa famille. Et au travers de lui, aujourd'hui, plusieurs personnes commencent à venir au Seigneur à cause de lui. Il a commencé d'abord à me montrer moi-même le chemin de suivre Dieu. Et après moi, moi j'ai amené mon père à être converti. J'ai amené maman Lauriane à être convertie. Et il y a plusieurs personnes, que les Priscilla et les Francis, et il y a d'autres personnes qui sont en train de venir après. Parce que Dieu nous a donné des visions et des missions à accomplir. Est-ce que toi tu connais la mission laquelle que Dieu t'a donnée auprès de ton mari? Ou toi tu es là seulement pour lui juger? Tu ne crois pas aux choses, tu ne crois même pas à son changement. Bien-aimé, toi tu n'es pas son Dieu. Comment à plus forte raison, comment toi tu veux que la personne change tandis que toi tu ne pries même pas pour lui? Amen. Tu veux que la personne change, bien-aimé. La personne qui est le mieux placée pour que tu puisses amener une personne au changement, c'est Dieu le Créateur. Amen. Toi tu n'es pas Dieu pour que tu puisses amener une personne à changer. Mais tu peux amener quelqu'un à changer au moment que toi tu le portes dans ton cœur. Tu l'aimes cette personne. Au travers de tes prières, tu peux amener que cette personne puisse changer. Amen. Toi tu mets la croix dans la vie de cette personne. Tu l'as mis déjà mis dans les cercueils. Tu les mets là. Et il y a combien de plus fortes raisons que cette personne va changer? Parce que toi, tu ne crois pas à son changement. Et la personne ne peut pas changer. La personne ne peut pas changer. Bien-aimé, soyons humains. Bien-aimé, Dieu, il te donne ton mari, tu as quelque chose à accomplir. Il t'a donné ta femme, tu as quelque chose à accomplir auprès d'elle. Nous devons se soutenir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas à cause des réalités de ce monde qui puisse t'amener parce que tu as vu telle personne à divorcer. Toi aussi, ça va t'amener à faire que tu puisses divorcer. Parce que vos problèmes à vous, soi-disant que ça se ressemble. Mais toi, tu ne t'appelles pas cette personne qui veut divorcer. Tes problèmes, ça n'a rien à voir avec ses problèmes à lui. Bien-aimé, Ève dans les jardins, malgré l'accusation d'Adam. Quand Dieu est venu dans le jardin, a commencé à chercher. Il n'a pas cherché Ève avant. Parce qu'il est venu chercher d'abord l'homme qui lui a donné l'autorité. Et puis il a donné la responsabilité du jardin. Il n'était pas venu chercher Ève. Mais il a commencé à chercher Adam. Où est-il? Adam a répondu. Ce n'est pas Ève qui a répondu. Adam a répondu. J'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu a répondu à Adam, pas à Ève. Il a répondu. Qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé l'herbe à laquelle je t'ai interdit. Bien-aimé, si tu es l'homme, tu donnes des condamnations ou tu condamnes ta femme si peut avoir de quelque chose, bien-aimé. Regarde-toi bien. C'est toi qui es le maître, bien-aimé. Tu es capable de gérer toutes choses. Tu es capable de gérer ton couple afin que aucune chose ne puisse vous amener un jour à divorcer. Bien-aimé, Adam a répondu, a dit que non. Et si j'ai mangé l'arbre parce que la femme que tu as mis à côté de moi, c'est lui qui m'a trompé. Si je suis arrivé jusqu'à ce point à désobéir, parce que la femme que tu as mis à côté de moi, c'est lui qui m'a trompé. Bien-aimé, il a accusé deux personnes à la fois. Combien de personnes par rapport à ton échec, tu accuses les gens? Par rapport à la manière que toi tu conduis ta vie, combien que tu accuses les gens? Tandis que tu marches seul. Donc toi tu vis par rapport aux gens. Je vais te dire, c'est vraiment regrettable parce que toi tu vis par rapport aux gens. Tu dois vivre par rapport à ce que Dieu il veut par rapport à ta vie, non par rapport aux gens. Bien-aimé, Adam a dit, il a oublié quand il faisait des éloges, quand Dieu l'a présenté Ève. Il faisait les éloges. Oh, ma bien-aimée, ma chérie. C'est toi qui es la plus belle de parmi de toutes belles. C'est toi qui es ceci, c'est toi qui es cela. Et là, Ève, elle était en train de faire des fiers. En train de fiers. Vous savez que nous, les femmes, quand on nous adore, quand on nous éloge, donc ça fait un peu yiki yiki. Ève, elle était en train de rigoler tout bêtement. En train de rigoler. Il a oublié tout ça.
Il a oublié, il a dit que c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a poussé afin que je puisse désobéir à toi. Il a accusé même Dieu. Il a osé même d'accuser Dieu. Ok, quand on l'a présenté, il n'a même pas cherché à poser des questions à Dieu. D'où sont cette créature? Tu sors d'où? Parce que moi, je connais des lions, je connais des tigres, je connais des aigles, je connais des poissons, mais celle-là, je ne les connais pas. D'où sort? Ces questions-là. Mais le bien-aimé, quand tout ça s'est chamboulé, il a pris l'audace. Il a pris cette audace-là de condamner Dieu en lui disant que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, si toi tu m'as. Donc, ça veut dire qu'il est en train de parler. Si tu n'avais pas amené cette femme ne pouvait pas venir chambouler toutes choses dans ma vie. Je pouvais rester obéissant à toi. Je pouvais commencer à obéir à tout ce que tu me demandes. Bien-aimé, quand il a accusé sa femme, Dieu a tourné le regard vers la femme. Écoute la sagesse de la femme. Bien-aimé, même si on nous prend que nous sommes de moins que rien. Bien-aimé, écoute la sagesse de la femme. Quand Dieu a commencé à parler, il a donné les enseignements à Ève. Il a dit que ne condamne pas. Ne condamne pas. Bien-aimé, Adam a condamné Ève. Il a condamné même Dieu. Mais écoute Ève. C'est le serpent. Ce n'est pas toi Dieu. Ni mon mari. Mon mari, car au moment que je l'ai amené, la chose, il pouvait s'interposer à moi pour me dire que tu arrêtes. Mais il n'a même pas pris le temps de s'interposer à moi. Donc ça veut dire que tous, lui aussi, il a failli. Mais il n'a pas cherché à accuser Adam. Bien-aimé, elle n'est pas accusant Adam. Il n'a pas accusé son mari. Preuve en est que quand Dieu les a mis hors du jardin, ils sont partis. Ils ont fait même les enfants. Bien-aimé, sinon le premier divorce pouvait être au commencement dans les jardins. Mais le divorce, bien-aimé, nous, on n'encouragera jamais que les gens puissent se divorcer. Malgré l'accusation, malgré les condamnations, non au divorce. Bien-aimé, Eve a dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Il pouvait donner aussi ses arguments. Au moment où qu'elle est sympa, pourquoi j'ai commencé à obéir à serpent? Parce que je me retrouvais parfois seule. Parfois j'avais envie d'être à côté de mon mari. Parfois j'avais envie que je vois mon mari à côté de moi. Mais lui, il n'est pas là pour moi. Je me retrouve seule. Et j'ai trouvé comme un bon ami. C'est pour cela que j'ai commencé à dialoguer avec lui. Amen. Tu te poses aujourd'hui des questions, pourquoi ta femme se comporte ainsi? Tu te poses des questions. Pourquoi ton mari se comporte ainsi? Tout l'état mort là que toi tu laisses. Tu laisses pour qui? Tu laisses pour qui? Bien-aimé, sache-le que là où il y a l'espace, si le Dieu il n'est pas là, l'ennemi, c'est l'ennemi qui viendra là. L'état mort là que toi tu laisses. Si Dieu il n'est pas là, mais c'est Satan qui sera là. Bien-aimé, je me suis posé la question. Pour que Adam puisse laisser le temps mort, il faisait quoi? Est-ce que c'était la faute de Dieu? Non, je ne pense pas. Notre Dieu, il ne se trompe jamais. Il ne se trompe pas. C'est comme aujourd'hui. Nous voyons à cause des réalités de ce monde. Travailler plus pour gagner plus. On en dit ce qu'on vient pas. Mais le diable va te détruire. Ton argent que tu pars chercher sans arrêt, ça ne peut pas réparer des choses spirituelles. Bien-aimé, ce que l'homme peut donner à sa femme, ce que la femme peut donner à son mari, ça ne s'achète pas avec de l'argent.
Ça s'achète pas, c'est quelque chose, c'est un mystère grave. C'est un mystère grave que Dieu lui-même il connaît. Ça s'achète pas avec de l'argent. Au moins que tu sois une pute. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils aiment pour l'intérêt. Comme ce que je viens de donner ici, il y a quelqu'un, je viens de parler tout à l'heure, s'il y a quelqu'un vise quelque chose, il va te couvrir le corps avec beaucoup de paroles que tu n'as jamais entendues. Et tu vas te laisser, oh, c'est cette personne-là. Moi, on sait que moi, on me trompe là-bas. Regarde la personne, la manière qu'il est en train de me, il est en train de m'adorer, la manière qu'il est en train de me parler. Ce genre de paroles, je n'ai jamais entendu ça. Donc, c'est la personne qu'il fallait pour moi, c'est lui. Qui t'a dit que c'est lui? C'est un ange qui s'est déguisé. Bien-aimé, il y a des choses. Il y a des choses. Bien-aimé, Dieu, il nous envoie dans des mariages comme il nous donne aussi des missions à accomplir. Bien-aimé, il va te poser la question un jour. Le mari que j'ai mis à côté de toi, la femme que j'ai mis à côté de toi, est-ce que tu avais rempli les devoirs que je t'ai demandé? Je t'ai demandé de l'aimer. Est-ce que tu l'as aimé comme il faut? Est-ce que tu l'as supporté comme il fallait? Est-ce que tu as fait ceci comme je t'avais dit? Est-ce que tu as fait ceci? Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens, qu'il nous dit que le mari doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Bien aimé, ne confondez pas des choses. Il y a d'autres. Soi-disant des pasteurs qui sont des rebelles, qui se focalisent, ils voient, ils transversent des choses, ils comprennent cet verset dans leur manière, en disant que, on a dit que la femme doit être soumise. Bien aimé, je vais se soumettre à quoi? Ça dépend de laquelle chose que je dois me soumettre. Si tu m'amènes afin que je puisse briser ma relation avec Dieu ou briser ma relation avec mon père spirituel, bien aimé, je ne t'obéirai pas. Je ne vais pas être soumise. Je dois être soumise à d'autres choses, pas dans des choses spirituelles. Nous ne devons pas confondre des choses. Marie, aimez vos femmes. Est-ce que tu aimes ta femme? Je me rappelle, le prophète Rifin, il nous a parlé ici une fois. Tu dois aimer malgré que. Donc ça veut dire malgré que. Donc nous devons avoir des. Parfois, il y a des. On a des failles. Est-ce que c'est les failles là qui va terminer? Fait que, parce que il y a telle chose ne marche pas. Parce que mon mari là, je le parle, il n'écoute pas. Donc c'est moi, je vois que. Donc je n'ai pas de choix. Donc je n'ai qu'à divorcer. Divorce, ça c'est ton problème. Toi, tu crois que si tu divorces. Au moment où que des gens qui font des tailles fines, ils deviennent là. Ils ne trouvent pas de mari. C'est toi qui vas trouver le mari. Les gens qui sont en train de se rendre, ils doivent devenir des sockets. Donc la personne, il est là comme ça. Ils ne trouvent pas de mari. C'est toi, quand toi, tu crois que tu vas trouver le mari. Tu vas trouver l'aventurier. Oh. La personne qui va te piller, il va te piller le corps. La manière qu'on va te traiter, même ton mari t'a jamais traité comme ça. Parce que il y a d'autres personnes, et pour eux, le sexe, c'est donnant-donnant. Hein? Donnant-donnant. Donc on va te piller le corps jusqu'à ce que tu vas regretter. Bien-aimé, nous devons être sérieux en tout ce que nous faisons. Bien-aimé, le mari que tu es, c'est bien pour toi. La femme qui est à côté de toi, c'est elle que Dieu a choisi pour toi. Malgré ses failles, malgré ses erreurs, bien-aimé. Et ton mari ou ta femme, il peut avoir des erreurs. Il peut avoir des failles, bien-aimé. Merci, prophète. Bien-aimé, il n'a que juste des erreurs. Il n'a que juste des erreurs. Il n'est pas ton ennemi. Ton mari ne peut pas être ton ennemi. Ta femme ne peut pas être ton ennemi. Il a juste des failles. Bien aimé, les failles là. Si tu comprends, tu vas jeter tes genoux par terre. À commencer à crier à Dieu. Seigneur, comme ce que votre papa vient de donner. Moi, je parle à Dieu pour lui. Et puis, ce sont des choses vraies. Là où il y a d'autres personnes. Au crébicher, bien aimé. Que lui ne puisse pas crébicher. Bien-aimé, le diable,
Il peut te chercher d'une manière ou d'une autre, il ne te trouve pas. Mais au moment où que Dieu est en train d'élever quelqu'un, c'est là où il va venir se présenter au devant de toi. Parce que le diable, il connaît les mystères qui se cachent derrière l'élévation. Il va te chercher. Il sait que cette personne-là, il ne vole pas. Cette personne-là, il ne voit pas de femme. Cette personne-là, il n'a pas telle chose, il n'a pas telle chose. Mais je vais l'attendre au moment où que Dieu va l'élever. Il va se sentir supérieur. C'est le moment où il va. Parce que moi aussi, le diable, je suis passé par là. Je me suis enorgueilli. Il connaît les secrets. Il connaît les punitions. Laquelle, si quelqu'un, tu commences à s'enorgueillir, là où tu peux te retrouver. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Vos maris sont appelés dans les ministères. Vous serez un jour des mamans pasteurs. Les mamans mokambi, comme on dit à Lingala. Vous allez commencer à diriger les gens. Mais il faut que tu puisses avoir une bonne préparation. Afin que Dieu puisse bien te préparer pour que tu assumes tes responsabilités. Bien aimé, ce travail, ce n'est pas le travail que tu peux jouer. Une personne peut se réveiller. Une matin, il dit que oui, aujourd'hui, vous savez, j'ai fait un songe. J'étais en train de cultiver les champs de maïs, les champs de manioc. C'est pour cela que pour moi, j'ai dit que c'est que Dieu nous a donné des révélations. Non! Bien-aimé, le travail là, ça ne joue pas. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux commencer l'église. Aujourd'hui, tu peux commencer l'église. Si tu as 5 enfants, le diable peut passer par là pour venir te voler même tous les 5. Ce travail, ça, c'est réalité. Ça, c'est capacité. Il y a d'autres personnes, ils sont appelés à être dirigés. Il y a d'autres personnes, ils sont appelés pour bâtir. Il y a d'autres personnes, ils sont appelés pour se soumettre, écouter et prendre la parole, mettre en pratique. Les mariages, bien-aimés, Dieu, il ne voit pas des choses comme nous, la manière que nous voyons, bien-aimés. Il ne voit pas des choses de la manière que nous voyons. Pourquoi je dis que Dieu nous donne des missions? Bien-aimés, je peux vous donner l'exemple dans la Bible. Nous voyons Sephora, bien-aimés. Nous voyons Sephora. Dieu voulait tuer Moïse. Bien-aimés, Sephora, il est resté. Il a réfléchi. Elle a réfléchi. Elle a dit, j'avais oublié que cet homme est l'alliance du sang. L'enfant, il n'est pas circoncis. L'enfant, il n'est pas circoncis. Bien-aimé, Sephora, il a pris une pierre. Il a coupé le prépuce de son enfant. Laissa à couler. Bien-aimé, toutes ces choses. Sephora, il n'était pas la petite sœur de Moïse. Où est-ce qu'elle a pris ces choses que son mari était, il était une personne du sang? Parce que son mari, il a pris le temps de l'expliquer des choses. Il a pris le temps de dialoguer, de l'expliquer comment qui était son origine. Tu es dans le mariage. Est-ce que toi, tu connais les tribus de ton mari, comment ça fonctionne? Est-ce que toi, tu connais ta belle famille comme il faut? Bien-aimé, moi, je suis là. Ce n'est pas pour se vanter. Les gens, ils savent déjà que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est pour que quelqu'un puisse me faire une personne qui se fait voir. Bien-aimé, aujourd'hui, je peux témoigner la grandeur de Dieu. Ma belle-mère peut être là, peut demander une prière. Maman, pasteur, et puis, j'ai changé même les noms dans ma belle famille. J'ai changé les noms. On m'appelle Maman Myriam. Je ne suis plus la Myriam qui connaissait une petite fille qui venait chez eux. Je suis devenue maman. Tout le monde m'appelle Maman Myriam. Est-ce que tu peux prier pour moi? Maman Myriam, est-ce que tu peux faire telle chose? De la même manière que mon mari, il fait le travail aussi dans ma famille. Les gens croient en lui dans ma famille. Croient que c'est un homme de Dieu. De la même manière que moi aussi, ma belle famille, ils croient en moi. Elle est la servante de Dieu. Dieu est en train de travailler avec eux. Bien-aimé, est-ce que toi tu connais l'origine de ton mari? Est-ce que tu connais les choses qui se passent dans leur famille? Bien-aimés, ne nous trompons pas. Le message de la grâce, c'est bien bon. Nous sommes au temps de la grâce. Ça dépend. Oh, il y a d'autres personnes qui disent, nous sommes au temps de la grâce parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, bien-aimés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui sont en Christ? Qui sont en Christ? Est-ce que
que toi tu marches avec Christ pour qu'on valide ta marche avec Dieu, que réellement que Dieu est en toi. Bien-aimé, c'est quand dans les temps j'ai oublié le passage. Il y avait des espions qui étaient en train de prof. Pour là, on a demandé de mettre des laitons. Oui. Bien-aimé, Christ en toi, c'est une marque, c'est comme c'est ton identité, c'est ton numéro matricule. Au moment où les espions étaient venus pour massacrer, pour tuer les gens, il fallait que Russe mette les sangs à la porte pour qu'ils puissent démontrer leur identité, pour qu'ils soient échappés de la mort. Qu'ils soient en Christ. Il y a des liens qui existent. Il y a des liens qui existent. Moïse a raté d'entrer à Cana à cause parce qu'il y avait une lien qui était en lui qui le réclamait. Bien-aimé, Dieu peut t'utiliser. Il peut t'élever, bien-aimé. Sache-le que si ce lien-là n'est pas coupé, un jour dans ta royauté, dans les dimensions laquelle que Dieu t'amène, ça viendra te réclamer. Ça viendra te réclamer. Moïse, parfois, il prenait des choses comme si Dieu était son ami. Comme s'ils avaient étudié la première maternelle ensemble. Comme Dieu, il était son ami, parfois, ils partaient à l'école ensemble. À vieux Dieu, tu sais, voilà. Il est monté à la montagne. Dieu l'a remis la tablette pour le 10 commandements. La colère a surpassé tellement qu'il était une personne colérique. Bien aimé, un jour, si tu ne veux pas quitter la colère peut t'amener en prison. La colère peut t'amener, ça fait que tu puisses louper beaucoup de choses. Il a pris Dieu pour son ami. Il a cassé la tablette. Il a cassé la tablette. Dieu l'a regardé. Regarde-moi ce petit-là. Lui, il croit que vraiment, c'est moi, je suis son ami. Hein? Deuxièmement, Dieu, il a dit, Moïse, regarde ton peuple là-bas en bas. Quand ils avaient construit le veau d'or, je vais les tuer parce qu'ils ont désobéi à moi. Moïse a pris l'audace, comme d'habitude, en disant à Dieu, oh, viens, regarde seulement si tu les tues. Ils vont dire que toi, tu les as fait sortir de l'Égypte pour que tu puisses venir les tuer dans le désert. Hein? Sinon, ça va tourner le bal contre nous tous là. Il faut les laisser seulement. Or que ces peuples-là, ils étaient incrédules. Il a osé de faire la morale à Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il ne pouvait pas les tuer. Il pouvait juste les faire la démonstration pour les montrer qu'il est Dieu. Il a osé de faire la morale à Dieu. Mais les mêmes peuples-là que lui, il avait défendu. Quand il s'est venu s'interposer devant lui, oh, ça l'a amené encore, la colère est venue encore les réclamer. On l'a dit, tu frappes sur le rocher, il a frappé, donc tout. La colère. Bien aimé. Le dialogue, c'est quelque chose de très important. Rebecca, il n'a pas pu, ou soit de la même manière que l'homme de Dieu avait expliqué, si son mari n'avait pris des choses ainsi, il pouvait encore retourner voir encore le même Dieu qui lui a donné des révélations, que c'est le petit frère qui sera le plus grand. En fait, que, Seigneur, touche ton serviteur. Révèle-toi, tu es lui, toi-même. Parce que moi, peut-être, je l'ai parlé plusieurs fois, il n'a pas entendu. Regarde l'erreur qu'il veut effectuer. Mais c'est que la chose qu'il n'a pas fait. Bien-aimé, Dieu est en train de toucher, en train de te parler. Combien de points de suspension que toi, tu as? Tu as des points d'interrogation jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de questions, tu n'as pas de réponses. Que tu as condamné ton mari, tu as condamné ta femme. Est-ce que tu as raison? Dans tout ce que toi, tu as dans ta tête, en les condamnant. Bien-aimé, Adam a condamné Ève,
Mais ça n'a pas amené Ève afin qu'il puisse le quitter. Sinon, le premier divorce, c'est là où ça pouvait commencer. Mais il n'a pas calculé. Il a dit que c'est mon mari. Je l'aime tel qu'il est. Qu'est-ce que tu attends encore afin que Dieu puisse te parler? Nous devons aussi parfois faire attention. Ça, c'est entre parenthèses. Surtout dans des familles, les gens, que le mari a des enfants, et la femme peut-être, elle a aussi des enfants, et puis vous vous mettez ensemble. Famille récomposée, bien-aimée. Tu vas voir, la personne vient dans le mariage avec ses deux enfants. C'est ces enfants-là qui sont privilégiés, plus que même les enfants du mari. Les gens qui font mal, ce sont toujours les enfants des maris. Les enfants qui n'écoutent pas, ce sont les enfants des maris. Les enfants qui n'obéissent pas, ce sont toujours les enfants des maris. Bien-aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu, bien-aimés. Qui t'a dit celle-là que toi tu le protèges un jour, ils vont t'aider. Bien-aimé, Dieu peut te surprendre. Dans celle-là que toi tu les haïsses, dans celle-là que toi tu les aimes pas, c'est un jour, c'est eux-là qui vont te tendre la main. Nous devons changer notre manière de voir des choses, bien-aimés. Tu aimes les maris, tu aimes la femme. Aime-la avec ses enfants, bien-aimés. Tu l'as trouvé avec les enfants. Ça dépend si tu n'avais pas caché. Il y a d'autres femmes aussi. Parfois, tu as des enfants. Pourquoi tu les caches? Pourquoi tu les caches? Chacun a ses réalités. Chacun a ses passés à lui. Et il y a une autre chose dans la vie des couples, bien-aimés. Nous devons apprendre à enterrer les passés. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à enterrer le passé, c'est ça qui va continuer toujours à t'attraper. L'autre fois, tu étais païen ou tu étais païenne. Tu faisais des choses parce que tu ne connaissais pas Dieu. Et aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Bien-aimé, les choses anciennes, c'est le passé. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes, ils ont des problèmes dans leur foyer parce qu'ils n'arrivent pas à enterrer leur passé. Tu vas devenir la femme de l'autre. Chaque fois, toi, tu rappelles ton mari. Tu sais, avec. Tu sais quoi? Toi, de l'autre fois, tu m'avais trompé avec Marie-Louise. Bien-aimé, l'autre, tu dis l'autre fois. Si l'autre fois, ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trompé avec. Depuis que tu as connu qu'il t'avait trompé avec Marie-Louise. Aujourd'hui, tu as une autre nom qu'il t'a trompé avec. Amen. Tu as encore une autre nom de la femme qui t'a trompé avec. Mais depuis que tu as connu Marie-Louise. C'est la même chanson que tu répètes jusqu'aujourd'hui. Tandis que la personne il n'est plus dans ses histoires. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as envie de cet homme? Tu as envie de ce mariage ou tu n'en as pas? Ou toi-même tu sais ce que tu étais venu faire à côté de lui? Tu as déjà pris ce que tu avais besoin. C'est pour cela que tu cherches la porte pour le sortir. Si tu veux sortir, sors seulement. Sors seulement. Ne cherche pas des raisons midi à 14h. Oh, parce qu'il m'avait trompé. Bien aimé, t'avais trompé. Ça fait combien de temps? Combien de années s'est passé? Il faut arrêter. Arrêtez. Les passés sont les passés. Il t'a trompé l'autre fois. Il t'a peut-être il t'a demandé, il t'a déjà demandé même pardon. Mais toi, tu dis non. Et le jour qu'il va, t'attraper, les secrets que toi tu caches. Toi, tu veux que lui, tu puisses te pardonner. Parce que l'homme est menteur. Hein? Tu peux parler d'autres choses, la personne, il s'assoit sur ça. Il fait même les croisements des pieds. On a que l'autre personne, il fait ça. Il croise même. Donc ça, jamais il peut apprendre. Toi, tu es le Saint-Esprit, oh, tu es le Christ. Nous tous, on a failli quelque part. On a failli quelque part. Arrêtez ces histoires. Aujourd'hui, Dieu est venu t'interpeller. Les enfants, si les enfants, tu as trouvé ton mari avec, ce sont tes enfants. Si tu as trouvé la femme avec ses enfants, c'est ton enfant. Prends les enfants là comme ce sont tes enfants propres de même sang. Il y a aussi d'autres personnes, il y a d'autres racines des gens. Tu t'es déjà séparé avec la femme. Tu t'es déjà séparé avec le mari. Et le mari, il s'est marié avec une autre femme.
ou soit la femme s'est mariée, elle a déjà recommencé sa vie avec une autre personne. Tu cherches à aller mettre le nez dans des problèmes, dans son couple bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est comme ça, mouté mamabé. Sans qu'on dit à l'ingala, donc tu n'as rien mon vainqueur. Comme tu n'avais pas fini de les détruire comme il fallait, donc tu le suis même là-bas pour aller détruire son couple. Tu es le cousin de Satan ou tu es son petit frère? Ou tu es la nièce de Satan ou tu es sa sœur? Qu'est-ce qui se passe avec nous les chrétiens parfois? Et puis tu vas voir une personne qui cherche à mettre les troubles dans les foyers de l'autre. Il se dit que moi aussi je suis diagonèse quelque part. Moi aussi je suis tel quelque part. Bien aimé, fais attention, va t'attraper sorcier ou sorcière. Hein? Hey! Nous aussi les mamans, on a des enfants bien-aimés. Les enfants c'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Fais attention avec la manière que toi tu aimes tes enfants. Fais attention avec la manière que tu aimes tes enfants. Aimer ton enfant, on n'en disconvient pas. Quand on aime un enfant, on le nique. Un enfant, on l'aime pas le couvert. Oh non, aujourd'hui mes enfants, donc comme si c'est les bonnes années, donc mes enfants ils vont débarquer. Bien aimé, tu fais la guerre avec qui? Tu cherches à monter les enfants de tellement que tu les fais ça dans le mauvais sens. Il y a que des démons qui vont les voir. Qui vont les voir? Amen. Voilà. Toi tu cherches à faire comprendre à qui que les gens ils vont voir la manière que tes enfants ils vont s'habiller. Bien aimé, il n'y a personne qui va les voir. Il n'y a que des démons qui vont les voir. Amen. Tu es en train d'exposer des innocents en cherchant à faire tes défis avec là, tu n'as personne pour te défier et tu cherches à faire tes défis seul. Il n'y a que des démons qui vont faire affaire. Tu as tes enfants, tu es là. Non, non, c'est mon enfant. Et ceci, et cela. Moi, avec mon enfant, on ne peut jamais se séparer. Bien aimé, tu dois faire attention. Toi, même ton enfant, il a 40 ans, il restera toujours ton enfant. Mais ça ne te donne pas le droit de commencer à contrôler sa vie. Il a sa vie à lui. Bien-aimé, nous bénissons le Seigneur parce que ici, nous sommes en Europe. Amen. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas foi aux yeux. Ils vont t'attraper sorcière. Ils vont te dire, qu'est-ce qui se passe, belle-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as déjà fait ta vie. Laisse-nous faire notre vie tranquillement. Et quand on va te dire ça, et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'on t'a manqué du respect. C'est le moment de faire attention avec notre manière de fonctionner avec nos enfants. Ton enfant restera ton enfant. Il n'y a personne qui viendra t'arracher ton enfant pour le faire l'échange pour qu'il puisse devenir l'enfant de l'autre. Tu dois faire attention. Grand frère, grande sœur, tu dois faire attention à la manière que tu entres dans les problèmes de couple de ton frère ou de ta sœur. Ce n'est pas ton problème. S'ils ont des soucis, viens donner les conseils. Ne viens pas les séparer. Parce que entre mari et femme, c'est le mystère qui se passe. C'est comme des sorciers. Il peut se prendre la tête aujourd'hui. Dans les 5 minutes qu'il suit, il s'attend. Et quand si toi tu t'es mis là-dedans, ta place sera où? Ta place sera où? Une personne comme moi, même si j'ai des soucis, je préfère finir les histoires avec mon mari, qu'on puisse se demander pardon nous-mêmes. Je ne peux pas prendre l'histoire parce que je me suis pris la tête avec mon mari pour aller voir maman Lauriane. Parce qu'elle est ma tante. Quelque part, elle est ma tante. Je peux l'expliquer quelque part. Le pouvoir du sang va l'amener afin qu'il puisse prendre ma gueule si j'avais tort. Seulement parce que je suis son sang, il va chercher à prendre ma part. Et si moi je l'introduis là, et que ça fait que moi et mon mari on a réparé notre histoire, et sa place ça sera où? Du coup, je le cherche la malédiction. Nous devons faire attention avec les gens qui rapportent des histoires. Tu n'as pas accusé d'abord ton mari dans ta famille, pourquoi? Tu n'as pas accusé ta femme dans ta famille, pourquoi? Peut-être que tu sais que ta famille n'aime pas ta femme. Peut-être que tu sais que ta famille n'aime pas ton mari. Pourquoi tu amènes son nom là-bas?
Parce que tu cherches quoi? Tu parles accusé de vous, tu parles accusé dans ta famille. On n'en disconvient pas. Qui t'a dit que tes sœurs qui sont derrière toi, c'est eux qui sont mieux que ta femme? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tes frères qui sont derrière toi, c'est eux qui sont mieux plus que ton mari? Peut-être que ce sont des gens de zoologie grave. Oui, bien-aimé. Bien-aimé. Toutes ces choses que nous sommes en train de parler là, ça fait partie des familles. C'est ça qui nous cherche des problèmes dans les couples. C'est ça qui nous cherche des problèmes dans les couples. Nous aussi, des mamans, nous devons comprendre, même si on a fait nos enfants. Nous devons comprendre que, sachez que si tu as des enfants, ou tu as des filles ou des garçons, sachez que ce que les garçons t'amènera, ça ne sera rien à voir avec ce qui donnera sa femme. Nous devons parfois comprendre des choses en tant que telles. Tu as fait des choses ainsi. C'est la loi de la nature. Ce qu'il donnera à sa femme, ce n'est pas ce qu'il te donnera à toi, ce qui est sa mère. De la même manière, vice versa. De la même manière que ce que la fille donnera à sa maman, ça n'a rien à voir avec ce qu'il donnera à sa belle-mère. Parfois, vous cherchez des problèmes, vous cherchez de midi à 14h, vous cherchez des problèmes. Il faut pour comprendre des choses à ça, dans ta que telle. Au moins que tu sois chrétien, qu'il soit juste. Celle-là, bien sûr, c'est ma belle-mère, mais c'est ma maman. Donc, de la même manière que mon mari prend soin de moi, moi aussi, je dois prendre soin de sa maman pour montrer à mon mari que je suis un avec lui. Nous devons parfois comprendre des choses en tant que telles. Ça va nous inviter des problèmes. Un jour qu'on puisse t'attraper sorcier ou sorcière. Les enfants d'ici, les enfants là qui ont des Français, là. Oh! Donc il va te manquer du respect sans avoir l'avocat. Il n'a pas besoin d'avocat pour qu'il puisse te manquer du respect comme il faut. Et pour qu'on ne puisse pas arriver là, évitez ces histoires. Amen. Évitez ces histoires. Dans la vie des couples, les gens, ils se cachent des choses, Tu fais le Western Union, tu envoies le Western Union dans ta famille. Comme Dieu ne dort jamais, tu as caché. Là où tu as jeté les papiers de Western Union, tu as jeté si c'est dans la poubelle. L'enfant va aller dans la poubelle. Il amène les papiers. Maman! Bien-aimé, tu fais le Western Union à ta famille, pourquoi tu te caches? Nous aussi, les femmes et les hommes, pourquoi te cacher? Si ton mari fait le Western Union à sa famille, pourquoi toi ça te chatouille? Si c'était dans ta famille, ça pouvait être ok. Mais comme c'est dans ta famille, toi c'est un problème. Pour que ça puisse pas avoir des problèmes, pourquoi toi aussi, la femme ou le mari, pourquoi tu as caché ça? Pourquoi tu as caché ce point d'interrogation? Pourquoi tu as caché? Ce sont des problèmes qui nous amènent des disputes parfois inutiles dans la vie des couples. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres maris, il y a d'autres femmes, non. Excuse-moi, est-ce que tu peux me donner même 5 euros là? Parce que j'ai remarqué ici à la maison, il n'y a plus du sel. Hein? On te donne un petit 5 euros pour aller acheter du sel. Et quand tu vas retourner, le mari te donne... Hein? Où est le retour? Oh, Bonico? Bonico? Bien, mais tu commences à suivre même des petits 10 euros qui étaient restés. C'est quoi ton problème? Et tu cherches les diables. Les diables, c'est les 10 euros. Pourquoi tu as demandé? Tu cherches le diable. Pourquoi tu as demandé des euros? Amen. Les 2 euros là que toi tu as demandé qui étaient restés là pour que tu fasses quoi avec? Tu as besoin d'acheter le pain? Amen. Si tu avais besoin de pain, il fallait demander, tu fais les commandes. Quand tu partiras acheter le sel, n'oublie pas, amène-moi le pain. Amen. Manque de dialogue.
manque de discipline, manque d'amour. Bien-aimé, on a beaucoup de points à développer sur cet thème. Amen. Des choses qui nous amènent afin que nous ne puissions pas vivre les couples meilleurs. Ce sont des choses qu'on vient de parler là. Bien-aimé, moi j'ai pris ma part. J'ai parlé. Je n'ai rien préparé. J'ai essayé de préparer la prédication, je n'arrivais pas. Et quand je n'arrive pas, je laisse Dieu parler. J'espère que tu as pris ta part. Moi aussi j'ai pris ma part. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Acclame Jésus. Acclame Jésus là où tu es. J'ai remis le micro au prophète pour qu'on continue. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je voulais quand même... Non, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Tout-Puissant. On va quand même... Là, maintenant, on va poser des questions. Je vais appeler le prophète Rifin quand même pour nous bénir. Pour bénir cette parole, que ça soit gravé dans nos cœurs. Non, restons debout. J'appelle le prophète. Il va prier. Restons debout. On va recevoir la bénédiction du prophète pour que cette parole soit scellée dans nos cœurs, qu'on ne puisse pas oublier tous ces points développés. Et puis nous allons passer directement aux questions pendant quelques minutes. Le prophète va nous bénir. Est-ce qu'il y a des couples? Est-ce qu'il y a des couples là, mari et femme là? Mettez-vous ensemble. Que les couples soient ensemble. Le mari à côté de sa femme, la femme à côté de son mari. On a entendu beaucoup de choses qui sont des paroles puissantes, fortes, pour les couples. Alors c'est très important. Les couples sont déjà les premiers à bénéficier de ça. Soyez ensemble. Est-ce que les couples maintenant, vous êtes ensemble? Emmanuel, où est ta femme? Est-ce que les couples, vous pouvez maintenant vous tenir par la main? Regardez-vous en face. Regardez-vous, regarde ta femme, tends les deux mains comme ça, tu regardes en face, les yeux dans les yeux. Alléluia. Ne fais pas semblant de rigoler avec quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. Regarde ta femme, regarde ton mari dans les yeux, regarde dans les yeux. Regarde bien, maintenant. Pose la question. Je parle, commence avec les hommes. Pose la question à ta femme. Est-ce que tu as entendu? Oui, tu as entendu. Maintenant, pose une deuxième question. Est-ce que tu as écouté? Parce que écouter et entendre, c'est deux choses différentes. Pose encore la question, est-ce que tu as écouté? Bon, maintenant la femme pose la même question à ton mari. Est-ce que tu as entendu? Tu poses la question, tu regardes. Regarde ton mari dans les yeux, regarde dans les yeux. Dis-lui encore, est-ce que tu as écouté? Maintenant tu peux dire, pardonne-moi. Que chacun dise à son mari ou à sa femme, dis à ton mari ou à ta femme, dis pardonne-moi. Pardonne-moi. Yulgi, regarde bien ton mari, regarde bien ton mari. Dis-lui pardonne-moi pour tout ce que j'ai manqué comme dialogue. Alléluia. Répète encore, pardonne-moi pour tous les dialogues que j'ai manqué avec toi. Maintenant, dis encore, pardonne-moi pour le manque d'unité que moi j'ai eu. Dis-le bien, dis-le bien. Et l'homme et la femme, il n'y a pas que la femme qui parle, c'est l'homme aussi qui parle.
Est-ce que tu peux le répéter encore? Les hommes, répétez. Pardonne-moi pour le manque d'unité que j'ai eu. Pendant que tu dis, tu demandes ce pardon, toute l'onction qui était sur la servante de Dieu, cette onction est en train d'accomplir quelque chose dans ton couple à cet instant même. Crois à la puissance de la parole, à la puissance de la prédication et à la puissance de ta déclaration, ce que toi tu dis. Maintenant que la femme dise aussi, pardonne-moi pour le manque d'unité. Maintenant, dis à ton mari, dis à ta femme, je te promets, répète après moi, je te promets l'unité, le dialogue, l'amour, la complicité, l'amitié, je te le promets, je te le promets. Au nom de Jésus. Tu peux embrasser ta femme maintenant. Amen. Père de grâce, après une telle parole, Seigneur, tu nous as conseillé, tu nous as parlé, tu nous as édifié. Que ta servante, Seigneur, reçoive encore davantage pour être une bonne conseillère, pour être le pasteur de tes enfants. Seigneur, que cette onction pastorale qui répare les cœurs, qui restaure les couples, qui restaure les vies, puisse pénétrer dans la vie de tous ceux qui me suivent au travers des médias, tous ceux qui sont ici avec nous, que cette parole puisse être l'arbre qui portera des fruits au nom de Jésus. Je déclare que cette parole amène un vent de changement, un vent d'amour, un vent de paix, un vent de prospérité dans les couples au nom de Jésus. Que cette parole répare même ce qui a été au-delà du couple, que ce soit les finances, réparées parce que le couple est réparé. Là où il y avait un problème de stérilité, que cette parole puisse toucher, parce que la puissance et l'onction qui sort dans la bouche de sa servante, celle-même qui a expérimenté des choses, que cette onction puisse pénétrer, toucher maintenant, 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 au nom de Jésus. Père de gloire, merci pour cette parole. Merci pour cette onction qui accompagne cette parole. Merci pour les fruits que nous verrons s'accomplir et les témoignages que nous aurons après cela. Pour la gloire de ton nom et la joie du royaume, nous te disons merci et amen. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment bénis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Très fort, on acclame le roi, le Tout-Puissant. On va prendre nos places. Alléluia. Lorsqu'on était en train de prier, Dieu nous avait dit que moi-même, je serais étonné des choses qu'elle va dire. Amen. On va passer aux questions. Oui, amen. Oui, je voulais rajouter un truc. Bien aimé, pour que nous puissions arriver à vaincre toutes ces choses qui nous combattent, parfois que nous puissions parfois arriver à faire les bilans, en fait. Nous devons aussi parfois faire des bilans. Tu poses la question parce que j'ai vu, moi j'ai fait, ça m'a apporté un plus dans mon couple. Bien-aimé, il ne faut pas seulement chercher parfois à se fâcher là où ils sont. Il ne faut pas se fâcher. Parfois, il faut prendre la vérité à tant que telle et puis ça t'aidera. Parfois, ça arrive, parfois, vous pouvez rester pendant un an
quand on se donne des vœux, ou ça dépend. Si c'est 6 mois ou chaque mois, vous faites le bilan de votre, de votre manière de fonctionnement de votre couple. Tu poses la question à ton mari, ou soit la femme pose la question à son mari, et le mari pose la question à sa femme. Chérie, je voulais savoir comment tu as constaté pendant toute cette année que nous venons de passer, comment était mon comportement, langage, comment j'étais, est-ce que j'étais apporté un plus ou un moins. Et bien aimé, il faut avoir un cœur sincère d'attendre cette vérité-là. C'est cette vérité-là qui va t'amener afin que vous puissiez rester équilibré dans votre couple. Et tu vas écouter des reproches qu'il va te faire. Et toi aussi, le mari, tu vas écouter des reproches que ta femme va te faire. Vous faites des reproches avec amour. Pas amener des reproches et à briser le cœur de l'autre. Mais vous faites des reproches avec amour, bien-aimé. Vous allez voir, par la grâce de Dieu, nous allons arriver à vaincre tous ces problèmes qui perturbent aujourd'hui nos couples. C'était ça que je voulais rajouter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sincèrement, moi, je n'ai rien à dire. Déjà, même pour les questions, je préfère même pas répondre. Pour moi, je me dis, le message est tellement clair. On a... Okay, le diable a commencé à corroborer avec la femme. Vous venez le détruire. L'homme le dit. Dieu a dit, la femme, c'est une aide. C'est-à-dire, quand tu as pas d'aide, tu vas le détruire.